J'ai jamais vu une fille à moustache et une... C'est trop drôle. Bon, ça, c'est Anna, en fait, normalement. Oui. C'est Anna version barbare, ou version punk aussi, avec la petite houppe de cheveux. C'est plutôt rigolo. Et puis, lui, il est trop marrant. C'est bon, t'as fini, je peux le dire, moi aussi. Oui, coucou les petits copains. Comment ça va aujourd'hui, les filles? Ça va. Ah, bonjour à tous, à votre écran, j'espère que vous allez bien aussi. Moi, ça va, merci de vous déjeuner. Moi, je vais toucher le petit bâtard de l'eau. Aujourd'hui, vous vous souvenez de ça? Oui. On a fait ça dans la vidéo juste avant, où on a ouvert la série complète des Lego Mini Figures, série 17. Voilà, donc si vous voulez voir la vidéo pour bien les voir en détail, cliquez sur le petit i en haut à droite. Voilà, on s'est beaucoup amusé. Et là, on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, les filles. Quoi. J'ai envie de faire un swap, un face swap, en quelque sorte, de Lego. C'est-à-dire, par exemple, si on prend le petit robot que voici, voilà, et qu'on l'associe avec un Lego Friend, ou un Lego Disney Princess, ou alors un Lego Elves, qu'est-ce que ça peut donner à votre avis, les filles? Quelque chose comme ça. Et oui, mais du coup, que devient le Lego Friend? Ah ben, quelque chose comme ça. Regarde. Est-ce que c'est pas drôle? Si. Et je vous propose, voilà, de vous amuser à prendre un petit Lego minifigure. Il y en a qui vont être drôles, hein. Il y en a qui vont être particulièrement rigolos. La tête qu'elle a. Attends. La tête qu'elle a. Je l'avais dit que ce serait drôle, je l'avais dit. Oh, trop fort. Ça, c'est encore plus drôle, je trouve. Ah bah, ça te plaît. J'ai une bonne idée. Voilà. Dites-nous en commentaire si ça vous plaît, cette idée. On va les mettre côte à côte après pour bien voir la différence. Alors. Et donc, regardez, on dirait une fille. Oh. Et attends, faut lui mettre le plateau et tout, hein. Vas-y, t'es là. Ça rentre pas, comment on fait? Ça rentre. Voilà, regardez. On va les mettre côte à côte comme ça sur un petit socle noir. Ça va être sympa. Après, on les reverra bien sûr dans la récapépète en foot. Oh non, trop fort. Regardez. Ah, trop fort. Bon, on a déjà trois couples rigolos qui sont formés. Alors, on continue. Athéna, je vais t'aider, ma petite choupinette, d'accord? Oui. Et les filles, Athéna, je te propose, voilà, on va monter ça en même temps. Je vais le faire, si tu veux, je vais t'aider. Comme ça, on va montrer en même temps le cadeau que tu as eu pour ton anniversaire, qui était ça. Voilà, comme ça, on fait 2 ans, hein. Et la prof de danse, du coup? Ah oui, parce que Anna, si, Anna avait une chape. Bah, elle est là. Donc, avec les cheveux. Avec les cheveux d'Anna, je vais t'aider à mettre ta cape parce que c'est un petit peu dur. Ça, c'est trop fun. Voilà. On dirait Christophe avec des habits de fille. Trop fun, regardez. Voilà, allez, je le mets à côté ici. Oui, c'est sur la même planche. Merci, Athéna. Oh, regardez. Donc, en fait, ça, c'est Christophe. On dirait pas. Christophe qui a échangé avec le vendeur de hot dog. Voilà. Fallait faire fille garçon. Et là, il y a le nouveau couple. Ah oui, d'accord. Trop fort. Je vais prendre elle. Et aujourd'hui, un nouveau qui est plutôt pas mal. Ah, c'est ridicule. Et là, c'est les cheveux de qui? C'était qui ça? De lui. Ah oui, lui, c'était le surfeur blond. Et moi, c'était lui. C'est Brise de Nice, en fait. Mais c'est Elsa qui l'a. J'en ai aimé un autre. Oh, ah, trop drôle. C'est bizarre, j'ai des cheveux comme un lit, mais cette fois tout court pour une fille. Ah oui. C'est pour ça que je vais l'échanger avec le... Oh, avec la moustache. La moustache. Elle empêche qu'elle est trop fun, la petite fille, avec ses petits cheveux bruns, là. Ouais. N'oubliez pas, pour ceux qui ont des animaux, j'ai des animaux à vous proposer aussi.
Il y a le petit français avec son chien et il y a la vétérinaire avec son petit lapin. Elle va avoir une moustache un peu bizarre. Et la guitare, c'était pour regarde, Christophe. Regarde, genre la... Oui. Et Christophe, il est là. Alors, on va mettre la guitare au vendeur de hot dog. C'est trop drôle. Je suis un vendeur de hot dog qui... Contre un Lego Friends. Hein ça. Oh, alors... Oh mais, c'est, mais franchement elle on dirait un catcheur maintenant. Et puis oh là là mais la moustache lui va pas très très bien. Oui, je sais. Le gladiateur. Ça fait, c'est un joli couple ça. Hein. Voilà. On pourrait les marier. Waouh. Ah, nouveau couple, attention. Oh là 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 là, le gros téléphone. Ah bah ça en fait d'accord, c'est la Youpi, enfin le Youpi, mais du coup je dirais une Youpi avec, on dirait Sonia Roland en fait, le, voilà, l'ancienne Miss France qui a les cheveux courts comme ça. Oh bah c'est, et franchement, ça fait vraiment différent quoi, on reconnaît plus nos petites mini-figures comme ça, c'est trop mignon. Ah là t'es en train de faire le français, donc tu veux quoi comme animal? Je te propose une tortue, un hérisson, un pingouin, un ours... Un pingouin. Un panda. Ou un singe. Un pingouin. Un pingouin, voilà. J'ai jamais vu une fille à moustache et une... C'est trop drôle. Trop fun. Trop fun. Donc là, le pingouin, c'est le copain du chien-chien. Hey, je vais te dire un secret. Papa. Attends, il y a Athéna qui me propose quelque chose. Ah, regardez, une magnifique cape. Oui, mais je veux la mettre à elle. Ah, mais alors cape ou pas cape? Cap. D'accord, allez, je te mets ta cape. Oh, magnifique, magnifique. Oh, oh non. Oh non. Tu m'as t'avais dit que c'était drôle. Ah, c'est trop fun. Oh là 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 là. Allez, magnifique celui-là. Je crois que ça va bien rigoler. Je suis pas sûr que ce soit dans ce sens-là. Il reste plus que le chapeau. D'accord. Après, ça va ressembler trop drôle. Voilà, t'es là, comme ça. Oh, elle est trop fun. Oh, et tu riras bien, qui rira le dernier. Et ce sera moi qui rira la dernière. Tiens, t'es là. Waouh, elle est trop belle. Ah ouais. Le couple trop marrant. Regarde le couple le plus drôle du monde. Regarde. Faut absolument que tu... Pan, pan, pan. J'ai jamais vu une fille. Oh là 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 là. Moi, j'ai jamais vu une fille qui tue les personnes, hein. Mais ils sont même pas de travers les cheveux, ils sont comme ça. Ça c'est Anna en fait normalement. Oui. C'est Anna version barbare ou version punk aussi avec la petite houppe de cheveux. C'est plutôt rigolo. Et puis lui il est trop marrant. Du coup il a l'air moins méchant. Hein ouais. Ouais. C'est marrant ça. Et bah pourtant Anna elle est plus méchante. Athéna, merci. Et il faut ouvrir la boîte. Oh là lui en blond il est trop mignon aussi. Ouais, faut ouvrir la boîte. Et moi? D'accord. Et moi j'ai jamais eu d'animal. Qu'est-ce que tu veux comme animal? Alors regardez ce qu'il y a. Il y a un panda, il y a un petit chat, un petit lapin, chien. Un ours, une tortue, un hérisson, un singe. Lapin. Voilà, j'ai ouvert. Athéna, est-ce que tu es d'accord pour que Calice ouvre la boîte parce que c'est ton cadeau d'anniversaire? Oups. D'accord, oui. Ou pas d'accord? Oui, d'accord. Elle va t'aider? C'est gentil. Déjà, il y a un peu de Calice, regard. Il faut demander avant. D'accord. Désolé. Mais ça, c'est une grosse pack. En fait, c'est la version Lego Junior. Attention, ça change un petit peu des Lego normaux, on va dire. Donc, c'est un numéro petit peu plus facile. Deux, c'est plus dur que les Duplo, mais c'est plus facile que les boîtes classiques. On fait toutes les deux? On fait toutes les deux, petit chaton? Ben voilà, tu pourras l'échanger avec elle. Elle a un petit lapin, la vétérinaire. Faire ce petit lapin, il est plus mignon. Je trouve pas qu'il est plus mignon. Oh, il est mignon. Si j'ai pourtant bien suivi la recette. J'ai pourtant bien suivi la notice, mais ça donne pas exactement le même résultat. Attends, il manque un truc, Qu'est-ce qui... C'est la Lego Friend, la Lego de Reine des Neiges qui était dans la boîte, donc tu peux lui mettre les skis, d'accord, ça compte. La recette du chocolat. La recette du chocolat, t'as eu ça à l'école? Aussi, je l'ai eu. La fabrication du chocolat, petit 1, la récolte, petit 2, les cabossages, petit 3, le séchage, petit 4, l'essorage, la torréfaction, petit 5, le broyage, petit 6, la recette, petit 7, le moulage, et petit 8, un café et l'addition. Voilà, et en plus ça fait règle.
Et puis après, elle pourra, pourra toujours le démonter. Oh. Joli le petit banc. Voici le couple suivant. Alors, nous avons la chef Pisto qui s'est transformée en Elsa sur des skis. Et là, nous avons Elsa qui s'est transformée en chef Pisto et qui n'est plus blonde. Donc la boîte de Lego, justement, Lego Junior, facile à fabriquer de 4 à 7 ans, le set 1736 de la Reine des Neiges. Wow. Avec un toboggan. En fait, c'est un mini palais des glaces. Voilà. J'ai réussi à mettre les deux sur plus de place. Donc voici, pour rigoler, on va bien rigoler. Voilà le coup. Je ne sais même plus qui c'est en fait, du coup, on les reconnaît plus, mais c'est ça qui est drôle. Lui, ouais, je crois que c'était en fait l'elfe avec une Lego elfe. Là derrière, nous avons le robot de l'espace rétro avec Anna, oui, c'est ça. Avec ensuite, Ananas. Ensuite, nous avons l'homme épine maïs avec Anna encore, mais qui était avec la robe d'Elsa. Ensuite, à côté, nous avons Elsa avec son béret, sa baguette de pain, qui est avec le petit Frenchie et les cheveux d'Anna. Ensuite, nous avons le chef cuisinier avec un petit bâton comme ça, tu peux m'aider. Avec Elsa, qui est transformée en pâtissière pendant que le chef cuisinier fait du ski. Nous avons là-bas l'homme fort du cirque qui a switché avec une Lego Friends qui porte... elle manque pas de cheveux parce que c'est vrai qu'il était chauve. Ah oui, c'est pas évident, mine de rien. Là, nous avons en premier plan le vendeur d'hot dog. On a oublié les caps. Qui a switché avec... les caps qui étaient avec, comment il s'appelle? Avec Christophe, voilà. Au fond, là-bas, nous avons le Yuppie qui a changé avec un Lego Friend. Nous avons... Trop fort. Je vais les mettre ici, regardez. Hop. Voilà. Nous avons l'homme roquette. On reste dans le drôle, hein. Nous avons encore ça c'est Anna, en version guerrière, avec le petit guerrier avec les cheveux d'Anna. Nous avons ici la fée avec une Lego Friend. Là, c'est nous avons Michel. La vétérinaire avec son petit lapinou qui a switché avec une Lego Friend et qui ont gagné un hérisson en plus, qu'ils adorent les animaux. Là, nous avons, alors ça rigole pas, attention. Nous avons Anna qui s'est transformée en homme mystère. C'est Elsa. Bon, bah, c'était pas drôle cette vidéo. Chichi. Ah, les filles, je vous laisse terminer le château qui était... Catapulte. Quelque chose me dit qu'il est fini ce château. Waouh. Alors, Athéna, tu nous présentes ton château, ton cadeau d'anniversaire. Et aussi 5 ans. La catapulte. Ah oui, bravo. Vas-y, viens, montre-nous. C'est moi qui présente. D'accord. Wow. J'aime pas présenter quand c'est ici. J'aime pas présenter quand c'est pas devant moi. Tu présentes? Alors. Anna, elle va dans le château. Oh, t'as un coffre à trésor. Là, elle y a Michel. Alors, le toboggan. Et son petit toboggan de sens là, comme ce que ça donne. Mais où elle est, où la lune? Waouh. Athéna, regarde. C'est bon ça. Bon les filles, ça vous a plu cette vidéo où on a switché, on a swappé nos petites figurines? C'est cool hein? On s'est bien marré. Moi, c'est quoi ta préférée transformation? Ah bah moi j'adore la fusée. Allez, la fusée qui est trop grande pour elle. Ou trop petite plutôt, trop courte pour celle-ci. Et moi j'aime bien celui-là. Ouais, il est bien aussi. Et puis là, celle-ci. Moi j'aime... Ah oui, celui-là il est drôle. Celui-là aussi, il est pas mal. Bon, en tout cas, j'espère que les petits copains vous avez aimé autant que nous. Laissez un petit pouce bleu si c'est le cas. Partagez, commentez, abonnez-vous. Et bien sûr, les filles, vivez vos rêves. Eh oui, on fait des gros bisous. Bisous à Athéna. Bisous Calice. Et à demain, bien sûr. Allez, ciao. 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 Et pour Calice et pour Tina, un gros chocolat. C'est bon, le chocolat. C'est tout magique. Ça te fait rire? Ouais. Ah, ok.